La réception, tu la fais plus, hein? Non. Vu qu'on démarre direct. Normalement, je t'ai mis la bonne page direct. Voilà. Ah merde, à gauche, c'est pas mon bon profil. Bon, monsieur, voilà le contrat déjà prêt. C'est quoi, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Mon nez est plus grand depuis la gauche que depuis la droite. Ah ouais, je signe haut. Ah, tu vois que t'es le paraf, tatati, tatataf. Ah, vraiment, tu m'as dit, ouais, on le voit. On fait juste ça. Mais si t'avais rien dit, j'aurais rien vu. Sur quoi? Sur mon mauvais profil à gauche. Et là quoi? J'aime pas mon nez, moi non plus, mais c'est pas. Ça va. Sinon, assis-toi pour voir. Non, comme ça que j'ai déjà le premier plan. Alors, si tu veux, tu recules un peu. Voilà, Fabio, tu t'installes. Comme ça que je puisse juste voir comment cadrer. Ouais, ça manque de... Simon, t'as pas une petite veilleuse ou une petite lampe? Ok, donc toi tu vas dire un nom, un tac, je vous explique. Ce serait bien parce qu'il y a... Alors, c'est juste ça. Elle est là, la prise. Ah, il y a peut-être plus d'électricité, je crois qu'ils ont. Ah oui, j'avais oublié. Tu verras juste la lumière. Alors, on peut la déplacer jusqu'où? Qu'est-ce que tu veux que je la tienne? Ah, ça va faire un tube, tu risques de bouger. Et tu veux mettre là-dessus? Attends. Laisse la chaîne. Laisse la chaîne dessus. Ah, tu veux mettre dessus? Alors, Fabio, la lumière, elle dérange pas comme ça? Non. Voilà. Ouais, c'est qu'il fait trop sombre. Ah ouais. Et je suis désolé. T'as la couleur qui va avec, et en plus, il est habillé sombre. C'est comme ça pour toi, la nuit? Moi, ça me va. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Alors, ok. Bon, vous me faites la scène, j'enregistre comme ça, je vais voir si le micro, il capte bien. Ah, merde, là, on est. Il est pas dans le champ? Oui, et maintenant qu'il y a la lumière, normalement, je sais que le micro, il fonctionne. Ah merde, j'aurais dû le prendre, j'ai une mousse pour ces micros-là. Il capte super bien le son. Action. Tu veux juste les voir maintenant? Oui, vous le faites, comme ça je vais tester le micro si... Voilà monsieur, le contrat est déjà prêt. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. D'accord. Tu es de la main comme ça, tu fais? Ok. Donc une fois que vous aurez signé le contrat, et vous aurez payé la totalité, d'accord? Là, je tourne les... Nous aurons la totalité des charges, et vous rentrez chez vous. D'accord. Donc, tu peux modifier le texte. Ouais. Tu restes juste dans le contexte. Okay. Tu le fais comme tu le sens. T'enregistres là? J'enregistre, mais que je puisse voir le son, comment ça va donner. Donc, voilà, le contrat est déjà prêt, monsieur. D'accord? Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, une fois que vous aurez signé le contrat et donné la totalité du paiement, vous rentrerez chez vous. D'accord? Une fois que nous aurons la proie, on vous contactera et vous serez livré à votre domicile. Est-ce que ça va pour vous? Je signe. Le compte est bon? Ouais, c'est tout bon. Tu lui retournes le contrat, tu lui donnes un stylo. Un stylo ici. Ouais. Toi, tu fais semblant de regarder, tu prends le. Ah ouais, mais en fait, quand il prend les thunes, qu'il dit le compte est bon, c'est une question. Ouais, mais c'est bon. Tu lui as dit vous pouvez recompter, vu qu'on n'a pas
trop biais, ça se voit pas trop. Je te montre comme ça, le compte est bon et je le pose. Voilà, ou tu mets dans un tiroir, vu que tu es assis au bureau, tu signes. Parce que moi je suis censé placer, c'est pas cher payé, je vais pouvoir m'amuser comme ça. Ça c'est quand tu signes, tu pourras le dire. Ok, une fois que j'ai dit, voilà. Quand je signe. Quand tu signes, ouais, tu pourras le dire. En gros, il y a un peu la réflexion et puis... Ouais, c'est pas chercher payé pour... c'est pas cher. Voilà. Ouais. On rajoutera juste la phrase, vu que là on ne pourra pas sortir, une fois que tu as signé, vous vous serrez la main, tu pars, dès qu'il arrive par là, tu lui fais au fait, la proie, il faut la garder vivante. D'accord. Et moi je dis quelque chose ? Je crois que non. Tu peux rajouter ce que tu veux. Je crois que j'ai rien écrit là-dessus. Parce que c'est censé se finir devant la porte et qu'il y a Véronique et Mélanie qui arrivent. Pour qu'on ait la rencontre, normalement, elle ne te dira rien. Ouais. La preuve, vous le gardez en vie, vous faites ce que vous voulez avec, mais elle doit rester vivante. Mais elle doit rester vivante. Voilà. Parce que ça, le flashback, il vient avant qu'on voie ce qui se passe vraiment dans la Est-ce que l'adresse, on l'a déjà ou il faut qu'il nous donne l'adresse? On s'occupe de tout. Dès que vous avez la proie, dès que nous avons la proie, vous nous donnez une adresse. Ouais, donc c'est lui qui vous dira où la livrer. Comme ça, ça reste un peu... Ça reste un peu un mystère, c'est je vous la donne plus tard, en fait. Oui, parce que là, dans le film, on ne sait pas encore de quoi vous parlez encore. Donc, ils vont croire que c'est un contrat. C'est pour ça que j'utilise le mot croix. On croit que c'est un contrat sur la gamine. Sur la gamine. Okay. Mais on peut dire, faire en sorte que lui, il a déjà l'adresse, en fait. Dès que nous avons la proie, elle sera livrée à domicile ou il faut qu'il me donne l'adresse d'abord. C'est quand... je sais pas, qu'est-ce qui te dérange, toi? Ah, ok, ouais. Ce qui veut dire, c'est on s'occupe de tout. Dès que nous avons la proie, on vous, vous sera livré à domicile. Voilà. Tandis, ce qui lui pose problème, c'est la phrase « Vous nous donnez une adresse. » Au moment où on aura la proie, vous nous donnez une adresse. Point. Voilà. Parce que après, on ne sait pas, est-ce que vous vous appelez pour lui dire « C'est bon, on a la proie. » C'est un mystère, comme ça. Oui. Ah, non, ok. Ça va pour toi? Oui. Ok, donc... Je vous laisse relire ça, moi je... Ça on l'enlève. Oui, tu gardes juste une feuille. Ça va pas. Voilà. Exactement là. Alors. Ça peut se poser comme ça. Ça fait ambiance bureau. Ouais, t'as les stylos sur le côté, parce qu'on voit pas trop ce qu'il y a dessus. On voit l'imprimante qui est par là. Là, c'est... tu vois pas le texte, hein? Tu vois pas que c'est le texte? Non, on voit juste que c'est des papiers. C'est tout bon. Quand vous le sentez, action. Voilà, monsieur, le contrat est déjà prêt. Avant de signer, laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord? Vous allez signer le contrat. On reçoit le règlement. Et une fois que tout est prêt... On vous livre la fille. La proie. La proie. Voilà. On recommence. Mais ça va si je commence le bout ou pas ? Moi, ça me va. Comme ça, on croit que vous venez d'arriver, vu que c'est un flashback. Action. Voilà, monsieur. Le contrat est déjà prêt. Mais laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Vous signerez le contrat, vous nous donnez l'argent, et une fois qu'on aura la proie, elle vous sera livrée à domicile. Je signe où? Vous signez la dernière page. Vous avez un stylo? Non. Je vous remercie. Comptez bon. C'est pas cher payé. Je vais pouvoir m'amuser comme jamais. Merci, monsieur. Une feinte. Il a oublié de lui serrer la main. Mais t'es tellement dans son rôle, je l'ai vu. Ouais, c'est... Ça, c'est réussi. Ouais. Hein? Oscar de la meilleure impro. Ouais. Je suis resté comme ça. Yes. Le type, il était. Et puis lui, il était déjà. Ah, ouais, Oscar, bah ouais, c'est pas si mal. Tu prends un code de pédophile. Il a dit genre, ouais, c'est bon, j'ai signé. Moi, j'attends ma proie. Moi, je suis un gosse. Vous refaites tout? Ouais. On recommence alors. Action. Attends, je pourrais là. Voilà, monsieur, le contrat est déjà prêt. Mais avant de...
Coupé. Ça, c'est le bêtisier, par contre. Ah ouais, le bêtisier, j'ai des rushs. Hein. Tu verras, à partir de la semaine prochaine, une fois qu'il filme en ligne, il y aura des vidéos. Même si je vais pas au cinéma. Action. Voilà, monsieur. Le contrat est déjà fait. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Vous signerez le contrat, vous nous donnez l'argent. Et une fois que nous avons reçu la proie, elle vous sera livrée chez vous. J'ai pas l'argent. Ok. Les gars, on recommence. Il a oublié l'argent. Voilà, ça fera des bonus, tout ça. Ah, ça fera des bonus. C'est pas mal, je pense. Il y a vraiment le côté sérieux. Et là, on est pour une scène de même pas 30 secondes. Hein. On aurait voulu, on n'aurait pas pu. Attends. Excellent. Action. Voilà, monsieur, le contrat est déjà prêt. Mais laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Vous signerez le contrat, vous nous donnez l'argent. Et une fois que nous avons la proie, elle vous sera livrée à domicile. Je signe où ? Vous signerez sur la dernière page, s'il vous plaît. C'est pas cher payé. Je vais pouvoir m'amuser comme jamais, n'est-ce pas ? Au revoir, monsieur. Et n'oubliez pas, la proie reste en vie. Coupé. Voilà. Ouais. À moins que vous voulez la refaire. Il est du juif là dans la salle. Ah non, au bout d'un moment, c'est tout bon. On va peut-être dedans. Hein. Voilà. Comme vous le sentez. Mieux le niveau de la voix. Il a pas eu. Je vais voir. Je sais qu'il capte bien. Au cas où, j'augmenterai le volume en montage. Ok, ça marche. Action. C'est quand vous voulez. Voilà, monsieur, le contrat est déjà prêt. Mais laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Vous signerez le contrat, vous nous donnerez l'argent. Et une fois que nous aurons la proie, elle vous sera livrée à domicile. Je lui signe où ? Vous signerez sur la dernière page, monsieur, s'il vous plaît. C'est vraiment pas cher payé. Je vais pouvoir m'amuser comme jamais. Excusez-moi. Vous en faites ce que vous voulez de la proie, mais qu'elle reste en vie. Top.